Magali. Bonjour Bruno. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière sortie que tu fais sur Chanique avant le départ de Fanche. Qu'est-ce que ça te fait? Moi, je suis un petit peu émue et puis j'essaye d'en profiter au maximum. Et puis, je lui donne rendez-vous dans 10 mois. Ouais. Quel a été ton rôle un petit peu sur la préparation de l'aventure de Fanche? Bon, je pense que j'ai plutôt eu un rôle de soutien moral entre le moment où il m'a annoncé qu'il voulait faire ce périple. Donc en novembre 2016, il y a eu une longue préparation technique. Et puis au cours de cette préparation technique, quelquefois, le marin avait besoin d'un petit coup de soutien, même régulièrement, c'était plutôt mon rôle. Et pendant ce tour du monde, ton rôle, ça va être quoi? Pareil, d'une part, ça va être un soutien grâce aux moyens de communication qu'on va avoir, qui sont très, très élaborés. On a beaucoup de chance, on va pouvoir être en communication constante. Comme disent mes copines, grâce au tracking du bateau, elles me disent « Toi, tu as de la chance, tu sauras où est ton homme. Oui. » Voilà, on en plaisante entre nous. Et puis, avec Fanche, nous avons un atelier en commun, atelier de photographie et de peinture. Et donc, ça fait déjà un an que je fais tourner l'atelier donc, toute seule. Et je vais continuer à faire tourner l'atelier en attendant le retour de Fanche. D'accord. Et ton état d'esprit, là, aujourd'hui, en le voyant partir donc pour 10 mois, quoi? Oui, j'ai eu le temps de m'y préparer, ouais. En fait. Je te mentirais en te disant que c'est très facile. C'est très compliqué, je vais essayer de ne pas pleurer. Je suis heureuse pour lui. Voilà. Je suis heureuse pour lui, profondément heureuse pour lui. Parce que c'est l'aboutissement de sa vie de marin. Je suis désolée. Oui, non. Non, mais on peut reprendre si tu veux. Non, il n'y a pas de souci, voilà. J'assume. C'est une émotion que j'assume, mais je ne dois pas être la seule compagne à ressentir ça. Je suis vraiment... Ouais, très profondément et très sincèrement heureuse pour lui de ce qu'il va vivre. Ça a été, comme je te l'ai dit, une longue préparation technique avec beaucoup de coups de blues, de doutes, d'adversité. Et on a tenu bon, on n'a pas lâché. Et je suis heureuse qu'il puisse prendre la mer dans de bonnes conditions aujourd'hui. Voilà, ça c'est mon état d'esprit en ce moment. D'accord. Et est-ce qu'il y a de la peur, de l'appréhension? Oui, bien sûr, oui. C'est normal, mais ça fait partie du jeu. Oui, il y a de la peur, de l'appréhension. Après, je sais que le bateau a été vraiment tellement bien remis, presque à neuf, entre les mains des stagiaires de l'INB. Mmh. Très, très bien préparé. Fanche est un bon marin, j'ai beaucoup navigué avec lui. Je sais qu'il est prudent, je sais comment il navigue, donc je lui fais confiance. J'ai confiance en le bateau et j'ai confiance en son capitaine. Donc je vais essayer de traverser ces 10 mois de la façon la plus sereine possible. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Et je me suis mise à la méditation aussi, ça m'aide. d'accord, ça c'est bien. Oui, tu connais bien le bateau aussi. Ouais. T'as beaucoup navigué sur Chanique. Est-ce que tu... Bah là, t'as pas renavigué dessus, à part aujourd'hui. Mais on demandera à Fanche tout à l'heure. Mais est-ce qu'il a évolué? Je pense que le fait d'avoir un refit total, c'est oui. Important. Ah oui, alors ce qui est bien, c'est que je retrouve l'âme de mon bateau, c'est bien toujours mon bateau, mais avec un super lifting, et très agréable, et oui, ça me met vraiment confiance. Et au niveau communication, est-ce que vous avez un petit peu organisé, parce que au niveau technique, il n'y a pas de souci, maintenant on a des communications faciles, enfin faciles, c'est jamais facile, mais... des communications qui sont efficaces entre le marin et à terre. J'interviewais là au mois de mars Jacques Riguidel, donc qui a déjà l'habitude d'un tour du monde, et qui disait de temps en temps on a un petit peu des problèmes parce qu'on est complètement déphasé, parce que le marin il est dans sa bulle en mer et la personne à terre est complètement dans le rythme. C'est une vraie question. Mmh. Et j'avais été bouleversée par la pièce qu'a joué Jacques Gamblin à propos de son ami Thomas Coville. Et il se pose la question dans cette pièce, que dit-on à un homme en mer? Voilà. Et c'est exactement la question que je me pose. Quand il est en mer, bon, c'est arrivé, pas sur des périodes aussi longues que celles qui s'annoncent, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et souvent je me dis, est-ce que je lui parle de mes petits soucis quotidiens? Parce que je sais qu'il est dans un autre monde, il est dans sa bulle, il est confronté lui-même à ses propres contraintes. Et je me pose toujours la question, qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que j'éduque le corps un peu à la réalité pour le laisser...
complètement serein, ou est-ce que je lui parle, ben oui, de moi aussi, de mes coups de blues ou de mes difficultés. Et on en a parlé beaucoup tous les deux. Et lui, il préfère que je lui raconte tout. Ouais. Comme ça, on reste en symbiose quand même. Mais même en racontant tout, en fait, même en sachant que il peut être dans sa bulle, oui, c'est déjà important parce que on, même sans cacher de choses, on peut le tourner comme il faut, c'est je ça. Pense. Oui, c'est ça. Je pense que ça qui... C'est ça. On a une grande chance, c'est qu'on partage tous les deux la passion de la navigation, de la voile. Donc je comprends dans quel état d'esprit on peut être quand on est loin de tout, loin de la frénésie de notre monde quotidien. Donc j'en tiens compte dans nos échanges, j'en tiens compte. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu veux dire quelque chose à Fanch à travers la caméra? Pas en direct, parce qu'il n'est pas là pour nous regarder, mais... que je l'aime plus que tout, et surtout qu'il me revienne entier, oui, avec le bateau. Bien sûr, et on lui souhaite aussi, tous. Ok, bah merci Magali, et merci. Puis bah, de toute façon on va se... Merci à toi, merci à toi Bruno. Puis j'essaierai de voir un petit peu si j'arrive à passer un petit peu pour faire des interviews en cours de longue route, ça peut être intéressant aussi. Très intéressant, bien sûr, avec plaisir. Merci Magali.